pas incroyable. Au-delà du sauvetage d'un être humain en détresse, le seul moyen pour nous de détruire le reste de ces émetteurs était qu'il nous indique où il avait installé son matériel. Il mijotait déjà depuis quelques heures, et Advent semblait avoir du mal à ouvrir les portes de son bâtiment. Alors bien sûr, il faisait le malin. Vous voyez le genre de personnage. Avancez prudemment. À notre arrivée dans la ville, le signal radio était de plus en plus puissant. On n'avait rien d'autre pour aller plus loin, et on s'est donc servi du signal comme d'une balise. Ah, on va s'amuser. Je me demande s'il va y avoir des ombres en même temps. En même temps que les chrysalis. Ça m'étonnerait quand même. Un pote qu'il fallait intercepter. Dans le premier XCOM ? Genre un UFO, non? Et il y a les tourelles dans le 2, hein. Ok, on a un fusil perforant. Inspiration stase. Par où on passe? Ah, là. Ok, là, il y a une... Là, il y a une ruelle. Apparemment, là aussi. Alors, on va faire ça. Advent. Si, si, dans XCOM 2, il y a les tourelles. On peut avoir les tourelles quand les élus nous attaquent avec leurs canons, là. Non, enfin, il n'y a pas que les élus. Mais quand le Talion se fait descendre, là, se fait maintenir au sol avec, avec un canon magnétique et il y a une balise et tout ça à détruire, on a des tourelles à nous. Et il y a même un bâtiment dans le Talion qu'on peut augmenter pour avoir 4 tourelles. Le 1, les gens qu'on pouvait transformer en robots et les gens qu'on pouvait améliorer, genre améliorer leur vue, améliorer leur... genre ils peuvent sauter sur les toits directement, ça j'ai adoré faire ça. C'est vrai que le 2, il n'y a pas, bon, il y a des personnages spéciaux et tout, c'est sympa, mais j'aurais bien voulu pouvoir augmenter mes soldats, moi. C'est vrai que le 1 reste quand même... il a quand même des très très bons côtés. Qui sont pas dans le 2. Déploiement du grappin. Et ça, c'est un peu con, quoi. Je bouge. Je me demande s'ils vont pas attaquer le mec. Il va falloir peut-être qu'on se bouge les fesses, en fait. Je passe devant. I'll take the high road. C'est quoi toi? Ah t'es un... Ouais, t'es le spécialiste. Double time. Got it covered. La génétique, on peut avoir les corps... Ouais. Ils ont beau être le produit de manipulation génétique super avancée, nos seigneurs de la paix extraterrestre ont jamais eu l'idée d'une technologie aussi simple que celle du bélier. On se croirait dans un conte de fées. Ils ont beau faire, impossible de détruire ma maison. Peut-être même pas besoin qu'on vienne me sauver, finalement.
Moi, franchement, je l'aime bien, le mec de la radio. Je le préfère là que quand il est dans le talion. Dans le talion, il est relou. Comment on va faire avec eux, là? Faudrait qu'ils viennent sur nous. Je peux le faire. Moving. Headed there now. Je me déplace. Je reste en observation. On est Overwatch. On est Overwatch. Maintenant, dans le 2, on a les... Pour tout ce qui est robots, là, on a les... Comment ils s'appellent? Les robots qu'on peut avoir? Merde. C'est ça le bruit que tu fais, mon petit gars d'Advent. C'est le bruit que font tous les imposteurs pour les vrais gens comme nous. Les Sparks, exact, les Sparks. Il y a les Sparks, je les trouve sympas, mais... Pas aussi bien que les autres, que ceux du 1. Good copy, moving on target. Y'a que toi qui as une armure exo, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais pas me plaindre, hein, mais... On y va doucement, hein. J'ai peur de me faire voir. Théorie, non, mais... Ok, ça va. Je surveille cette zone. Personne ne va s'en. Où est-ce qu'ils vont? C'est quoi? Oh non, t'es sérieux? Vous pouvez pas revenir? Oh, mais qui est-ce qui vient gratter à la porte de ma chambre? C'est fini, dit le corbeau. Vous entendez, Advent? C'est fini! Vous n'entrerez jamais! Bande de fachos! Bande de fachos. Il est con, ce mec. Je bouge vers la position. Running. Je vois le chemin. Tu vois le chemin? C'est bien. Vigilance. Eyes on the prize. Scanning. Eh merde, l'autre il est en arrière. Oh putain, ils sont en train de partir, c'est bon. Bon, bah on avance. Vous êtes pas censé avoir des scies laser ou je sais pas quoi? Franchement, vous écoutez, on dirait que vous cognez sur ma porte avec vos poings. Et si c'est ça, alors je vous souhaite bonne chance. Le pouvoir de la radio. Il est marrant, ce mec. Order is confirmed on the move. On va faire un détecteur. Oh, what?
Il y a un mec qui le défend. I'm on the move. C'est loin, mais je peux y arriver. Je cours. Tout de suite. Scanning. On va attendre qu'ils reviennent sur le passage et en théorie on devrait pouvoir... Enfin ils devraient nous voir et on devrait pouvoir tous les tuer en un tour. Si quelqu'un avait prévu de venir me sauver et que vous êtes déjà en route, passez me voir quand même. Vous êtes pas obligé. Je voudrais pas vous avoir fait perdre votre temps pour rien. On va se mettre là. Confirmed. Comme ça, tout le monde a une belle vue sur tout le monde. Voilà. Je suis venez, Advent. Venez. Comme ça, on a un tour. On a un tour d'embuscade. Non, 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 pas là, pas là, pas là. Continue. Non, 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 non. Ça vous fait chier. Bon, je vais vraiment avoir besoin d'aide finalement. Et plutôt assez vite. Et si vous comptiez venir à mon secours, ce serait le bon moment pour débarquer et sauver ma peau. On arrive, on arrive. Panique pas. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils entreraient jamais? Eh bah, ils sont entrés. Oups. Eh, les gars, vous savez bien que je plaisantais, non? Franchement, moi, j'adore Advent. Et j'ai même travaillé pour vous. On peut discuter? Eh ben, je vous dois une fière chandelle, hein. Dites, vous avez un sacré matériel, ça vient d'Advent? J'ai jamais rien vu de pareil. Vous venez d'où déjà, rappelez-moi? Je pensais pas que quelqu'un viendrait à mon secours. Moi, je diffuse depuis... Oulala, mais ce serait pas... On va faire encore un tour, sinon on les attaque. J'ouvre l'œil et le vent. I'm on it. Moving to Overwatch. On Overwatch. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Voilà. Pour l'instant, soyez gentils. Fermez-la un peu. Faites chier. Grenade plasmique. T'as une grenade plasmique toi aussi? Okay. Alors, on a 4 mecs, on va faire une grenade plasmique, ça va réduire leur HP, on devrait pouvoir les tuer facilement après. On devrait pouvoir tuer tout le monde assez facilement. J'en mettrai bien peut-être en... Overwatch? Non. Mmh. 3500 par mois, putain. Mais en Overwatch, le médic. Genre juste lui, et après je m'occupe du reste. Overwatch. Voilà. Spotted!
Toi, tu vois qui, du coup? Je voudrais voir les dégâts qu'elle fait avec son flingue, en fait. Oh la vache! Et là, là ça va, là c'est bon, non? Ça ne suffit pas. Pff, encore que tu l'as plus ou moins tué. C'est son blindage qui a pris. Subissez mon courroux. On peut staser un mec stas. Non, on peut pas. Ah, t'es cool. On va se prendre des dégâts. The mind is willing. On va se prendre des trucs. Ouais, à moins qu'il va. Peut-être que lui il va faire un pouvoir psychique. Stase, ok, cool. Et les autres ils vont faire du feu. C'est possible qu'on prenne pas de dégâts. Oh. Il s'en donne à cœur joie contre moi. Impossible de ralentir ces flammes. Vous avez l'air costaud, hein. Vous avez pas besoin que je me batte avec vous, hein, rassurez-moi. Attention, hein, je suis redoutable au combat. Hein. Mais je me suis fait un tour de rein en empêchant Advent d'ouvrir la porte. Alors je suis sûr que vous en sortirez très bien sans moi, hein, pas vrai? Ce connard, il a bloqué l'échelle. On peut pas monter.
face. No longer a threat. Est-ce qu'on est assez loin de l'explosion? Oui. Moving to position. Et là, on est officiellement dans la merde. Ah, j'aurais dû tirer, elle a plus vu sur l'autre. Oh putain de merde. On peut pas donner, on peut pas utiliser le balisleur, j'ai pas inspiration parce que le psy a déjà joué, donc là on va se prendre des gros dégâts, c'est bien, on va mourir. Énerve-toi sur ton pote. Quelle merde. On the move. Le truc, c'est ce feu là qui me fout dans la merde. Je couvre la zone. Je sais pas. On va voir ce qui se passe. Là je sais pas. Bon, ça va. Ok. It hit the plate.
Est-ce qu'il faut les sauver eux ou pas? On s'en fout. Ah, facultatif, sauver les gardes du corps. On pourrait stabiliser, mais du coup on n'aurait pas de stabilisation. On va attendre. On a encore 4 tours, on va attendre. On utilise une balise, mais je sais pas trop comment et où. L'autre il fait chier par contre lui, hein. Lui il fait extrêmement chier. La balise, c'est John. C'est Johnny qui va l'utiliser. Pas drôle, pas cool. Quel bordel. Ah, j'ai jamais vu un bordel aussi gros là par contre. Donc il reste lui. Et les deux gros. Les deux gros sont un problème. Je pense qu'on va mettre la balise vers là. Enfin, vers là, ici. Comme ça, on arrête tout le monde en même temps, je pense. Genre, je sais pas, genre là.
Méfiez-vous de ma marque. Voilà. Il reste plus que toi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la stase ou pas? On fait de la stase ou alors on fait des... On fait quelque chose d'autre. Oh, on peut staser la balise. Si on stase la balise, est-ce que les gens vont quand même aller sur la balise ou pas? Ça, par contre, je voudrais bien savoir. Je dirais non. My mind is my shield. On va faire ça. Ça serait pas mal, ça. Allez, faut qu'on en finisse avec lui là. Merci. C'est genre le mec qui reste en arrière, qui casse les couilles un peu à tout le monde. Oh, comme elle va loin. Ah, on est bon, on est bon, on est bon. T'as besoin d'échelle, toi? Je pensais pas. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On a réuni tout le monde. C'est très bien, là. Là, on peut toucher 3. Si j'avais un grenadier à la place, putain, qu'est-ce que je serais content. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde d'un coup? Ah, toi tu fais chier, il faut que tu recharges. Je recharge mes munitions. Alors, imaginons on fait ça, c'est 6 à 9. 6 à 9. Ça fait pas mal de dégâts, mais ça va pas les tuer. Par contre, ils risquent de tomber. Oula, attends. Voilà, comme ça. Pas du tout tombé. C'est pas mal. Ils sont pas du tout tombés. Donc là, on peut faire ça, ça tue les deux chrysalis. On va se prendre des dégâts, là c'est obligé. On va se prendre des baffes, mais il va falloir choisir de quoi en fait. Donc déjà, les chrysalis, c'est chiant. Donc ça, c'est bon, elles sont mortes. On n'en parle plus. Maintenant, toi, tu peux tirer ou un coup de sniper. T'es pas sûr de tuer. Ou alors, on fait deux fois le flingue. Et là, c'est beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir tirer, tuer toi. Il y a un objet qui est tombé? Ah, c'est le truc du... Templier. Et on va pouvoir refaire des dégâts.
Maintenant, il reste 3 personnes encore. Ok, bien. Maintenant, il reste toi. De la victoire vers la détermination. Ok, l'autre, il a combien de tours encore? Encore 3 tours, ça va. Est-ce que ça contre-attaque en mêlée, ça? Non. Non, pas les gros. Qu'est-ce qu'on se fait? On se met au-dessus. Oui, les berserks frappent au corps à corps, je sais, mais est-ce qu'ils contre-attaquent? C'est ça ma question. Allez, on va être sûr, on va faire ça. On va le prendre par le haut. Non! Mon plan, 1 HP, non. On va se prendre une baffe, oh mon dieu. Ah, c'est Bradford. Ah, il va peut-être le couper. Yes. La vache. Oh, on a eu de la chance qu'il soit allé sur Bradford. Ah, fait chier cet acide. On peut pas monter par là? On va se mettre là. C'est loin, mais je peux y arriver. J'utilise ma stabilisation sur eux, j'ai l'impression que ça va être une... C'est une super connerie ce que je suis en train de faire, mais bon. Voilà quoi. C'est fait, c'est fait. Let's rock. Rechargement en cours. On va devoir extrêmement bien jouer. Voilà, c'est tout. J'y retourne. Moving to Overwatch. Scanning. Au début du XCOM 2, Bradford, oui, il a une arme qui est bonne. Pas là. Là, non. On a l'air d'être tranquille. On a l'air d'être tranquille jusqu'au bateau. Il y a sûrement peut-être une merde là, peut-être un pod, j'en sais rien, quelque chose. On the move. Will do. Je bouge vers la position. Already there. Je ne sais pas comment l'animateur radio avait persuadé ces gens de le protéger, mais on a pu en sauver un. Est-ce qu'il faut les faire sortir? C'est bon.
C'était quoi ? Les gardes du corps. Est-ce qu'il faut les faire venir sur le bateau ou pas ? Pod doit bien savoir. Apparemment, il y a un pod là. Ah oui, ouais, la map en fait, elle continue. Ok, et la map continue. I can handle that. Faut les sortir pour des points bonus, ça marche. Port is confirmed. Moving out. Whatever you say. We're near the objective. Voilà notre homme, le pirate des ondes en personne. I'm on it. Je me tiens prêt. Overwatch. L'ennemi se déplace parmi nous. Donc faut qu'on emporte. Hein. Faut que lui on le porte, par exemple. Ça va être fun. I'm on it. Je reste vigilant, je n'hésiterai pas. Covering now. We've got something over covering here. No. Allez, venez, bande de cons. Moving to designated coordinates. I'm going. Je fais passer du temps parce que. Okay, hein. Come get some. Picking up movement. Allez. J'ouvre l'œil. Overwatch. Scanning. You hear that? J'ai plus de détecteur, j'ai plus rien, je sais pas ce que c'est. Putain, t'es sérieux, go, venez, merde. Je passe en vigilant, je sinon, on avance avec Bradford. Est-ce que là, ils vont venir? Oh, on va avancer un peu. Avec le reste. On peut se mettre derrière, ouais. Confirmed. Je ne laisserai pas ces personnes, je surveille. Come get some. Vous avez entendu ça? Je peux aller aussi chercher le deuxième garde du corps. Ouais, il est là. Ouais, pourrait peut-être. Maintenant, je suis parti en fait pour investir le bruit. J'investis le bruit. Je suis à la recherche de ce que c'est. Bien, commandant. Affirmative. Moving out. Je préfère en finir avec ce bruit-là. I'm on it. Là, on doit être tout proche en plus d'eux. On doit être tout proche d'eux. Allez, venez. Putain de merde, c'est quoi ces trucs? Oh. Elles nous ont pas vus. Elles nous ont pas vus. Je crois. Seems doable. Étonne vétale. Après on va, ouais, après on va récupérer le garde. J'observe. Je surveille. Affirmative. Covering now. Scanning. Oh mon dieu. Allez, on se reprend.
La taille des corbeaux. La taille des corbeaux quand même. Et des trucs comme ça quoi. Oh mon dieu. Oh la vache les mecs quoi. On the margins. Oh la chance. Hit the armor. Hit the armor, ta gueule. Les corbeaux aussi gros que des chats? Ah quand même. Tous seront libérés. Non, j'ai jamais vu des corbeaux aussi gros que des chats, non. On est bon. On va aller récupérer le garde du corps. No problem, boss. No problem, boss. Go. Je veille sur cette zone. Come get some. Les anonymes n'avaient pas encore de nom à l'époque, mais on savait qu'ils étaient là, cachés parmi les civils. Cette fois, par contre, c'était différent parce que s'ils pouvaient ressembler à des poissons, quoi, ils pouvaient prendre n'importe quelle apparence. C'était donc sans fin. J'ai échoué. Vous avez vu le truc, il avait pas de bras et tout, il s'est fait pousser ses bras et tout. Ah, c'est énorme. Je nous ai trahis. Oh, c'est vachement bien. It's killing time. I can handle that. C'était stylé ça. Ils ont fait des... Du coup, en fait, ils ont fait des nouvelles animations, même pour les DLC, parce que je me suis dit, bon, ils ont bien travaillé, tout ça et tout, c'est cool, mais après, c'est des assets du jeu principal, quoi. Mais il y a des nouvelles animations, parce que ça, je l'ai jamais vu, ça existe pas dans le vanilla. Enfin bref, c'est cool. Barry. Heading out. Je bouge. Je surveille cette zone. Je vais ouvrir l'œil. On overwatch. I'm on it. Ah, mais chier. Non, je crois qu'il reste que ça sur la map. Il reste que des merdes comme ça. Ah ouais, quand même. Putain. Les corbeaux, vache. Je vais me déplacer. Nous nous opposons à nos créateurs. Moving on target location. Je me sens pousser des ailes. Ok, on va se réunir tous de ce côté-là. Là. Je cavale. Je suis en train de me dire, est-ce que des gens vont pas arriver quand je vais récupérer le mec de la radio? On your order.
Après, on a le cadavre à récupérer. Enfin, le mec qui est... qui est inconscient. Ok, on va le faire en... on va le faire doucement. Je suis aux aguets. Overwatch, got it covered. À chaque tour, on va avoir des bestioles, c'est ça? Oh merde. Je ferai mieux la prochaine fois. Oh, carrément. Ah, elle est là. Médic, tu vas... tu vas la chercher, le mec, là. Solid copy. Un mec qui cherche Gavin. Même des, les années après, hein, après l'histoire d'Arthur, il y a toujours le mec qui cherche Gavin, c'est abusé. Je passe en vigilance. Moving to Overwatch. On Overwatch. Deux? Une. Deux. J'ai peur qu'on se fasse submerger au bout d'un moment, donc on va tracer un peu. Que j'ai peur qu'il y ait une connerie comme ça. Yeah, I'll bring him. Est-ce que tu peux aller parler au mec de la radio aussi? Whatever you say. S'il te plaît. Vous avez déjà pris une échelle avec un mec sur le bras? Sur l'épaule même? On a sauvé l'animateur radio, mais il a fallu le pouponner jusqu'au point d'évacuation. J'y vais. On a le contrôle ou pas? L'animateur radio et ses gardes avaient quitté la zone. Il ne nous restait plus qu'à partir à notre tour. Ah, mais on n'a pas besoin de prendre le cadavre. Non, ouais, pour les points, les scores, je pense que le nombre de chrysalis en fait va faire qu'augmenter. Et on va arriver à un point où c'est qu'on va pas pouvoir les tuer en fait. Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse farmer les points comme ça. Heading out. Ça serait con. Par où on passe? On peut passer par là? Ah oui, on peut passer par là. Ok. Vu que Bradford, lui, il peut les couper en deux. I'm going. I'm on it. Bon, on est bon là. Come get some. Affirmative, covering now. Je reste vigilante. Scanning. Ah non, c'est fini, je crois. Non, ouais, non, ils ont arrêté les trucs. On it. Je vais me placer. Rolling.
Moving to position. Moving to position. Je me déplace. Druric. Ok, tout le monde a... Ok. Viens par là. Affirmative, covering nine. Overwatch. Come get some. Personne ne passera. On est bon. Attends. Qu'il n'y ait pas de blague. Ça va, il n'y a pas de blague. Ça va, tout le monde y va. Copy that. Je fais du chemin. C'est stylé, on sauve tout le monde. Move, move, move. Sauf si t'as un pompier. Je sais pas si un pompier peut porter un mec quand même sur une échelle. Ça dépend. Ça doit sûrement dépendre du poids quand même du mec. Mais oui, bonne réponse. Bonne réponse. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Affirmative. Regardez-moi ça. On a toute l'équipe. Move, move, move. Voilà. On a sauvé tout le monde, même si on n'avait pas besoin d'extraire tout le monde, je crois. Je rentre. Voilà. L'animateur radio était en sécurité, mais le reste de l'escouade et moi devions encore nous battre. On a quitté la ville en bateau avec l'animateur radio avant de remonter la côte. Il était temps de découvrir ce qui se passait vraiment dans le coin. Pas mal, pas mal. Nouvel ami avait une splendide collection de matériel récupéré et de pièces détachées. On a pris le plus intéressant et puis on a laissé tout le reste. Ah, là c'est déjà mieux par contre. Là on a quoi ? Grenade flash par grenade flash, cool. IEM par bombe. Grenade toxique par bombe. Grenade acide par bombe. Non, on va prendre ça. Il y a des nouvelles photos et des nouveaux thèmes. Ah oui, je sais pas vraiment regarder. Renvoi, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Concentration profonde 3, c'est bien. Lame avancée, marche furtive, confrontation. Forteresse, c'est pas l'immunité aux explosions, au feu, etc. Ça c'est cool, ça je crois. On est à 143, on est quasiment à la moitié, il nous reste 3 missions, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Si c'est ça le mur, ok cool. Après tous nos efforts pour sauver ce type, même pas un jour plus tard, il s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller récupérer sa collection de disques ou je ne sais quoi. J'ai vraiment failli craquer et l'abandonner aux mains des Chrysalis. Heureusement, il n'avait pas pu aller très loin, et on a réussi à le rattraper avant les extraterrestres. L'animateur radio avait installé son matériel dans un ancien bâtiment de service autour duquel les gens du coin avaient construit leur colonie.
Au début, on s'y sentait presque en sécurité. Mais le signal devait être encore plus puissant à cet endroit, parce que les chrysalis envahissaient toute la région. Putain, mais c'est un vrai cauchemar, le truc, quoi. Le DLC, oui, a totalement abandonné la gestion. On a une gestion très très simplifiée, on n'a pas le bâtiment à gérer, tout ça. C'est pas si mal, moi j'aime bien. À chaque mission, là, on doit faire des choix. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça plutôt cool. Animateur, Jack Levy. Ah, c'est loin. L'homme qui chantait au chrysalis. C'est ça. Ah, oh, la vache, c'est loin. Est-ce qu'on va avoir des mecs aussi, ça la question. Est-ce qu'on va avoir des advents? La réponse est oui. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Ça fait quoi, confrontation, déjà? Tirez une fois sur chaque cible visible avec votre pistolet. Ça met fin au tour. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Ok, ça, on va garder ça. Donne une action supplémentaire à un coéquipier. Non. C'est con qu'on soit pas sur le côté droit ou gauche. Ils sont tous en ligne. Au lieu d'utiliser une balise, est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt une flash? Non, lui il est immunisé. On va devoir utiliser une balise. I'm going. S'il arrive à le tuer, ça nous enlèverait vraiment une épine du pied. S'il arrive à le tuer, lui. Allez, on tente. Cool. Well, how about that? Oui, il y a la gâchette. Gâchette facile, ouais. On pourrait faire tir de pistolet gratuit. Deuxième tir de pistolet, une action, et en dernier on utilise confrontation. Ça, c'est, j'y ai pensé aussi. Là, tu vois pas grand chose. On a la stase aussi, il faut bien penser à la stase. Je crois qu'on va staser quelqu'un pour éviter d'avoir des problèmes. Je pense qu'on va essayer de les tuer et staser.
Je sais pas vraiment dans quel sens faire les choses en fait. Ah. Ok, c'est pas mal ça. Maintenant, elle, elle est plus... Elle peut pas se... Se quoi? Se téléporter, je crois? Ou alors se... Faudrait tuer lui. Ou alors tuer lui en premier. Pas se dédoubler. Oh merde, putain! Tu me fais de la merde, sérieux. Dix, c'est pas assez, on peut pas tuer avec le templier. On va faire autre chose. Pour ceux qui ont péri. Pas taper. Le mec de la radio, il peut pas te taper. Pour les Templiers. Okay. Maintenant, on va staser le gros et il faudrait qu'on tue l'autre. Ah non, on peut pas. Heading to that location. On peut staser. On peut staser Bibendum. Un peu compliqué le système que je suis en train de faire. Psionically shielded. Ah, il est désorienté lui. Pas là-bas, elle est là-bas, mais c'est pas grave. Alors, voyons, voyons. C'est quoi ça? Parade. Par la prochaine attaque ennemie, annule tous les dégâts. Okay. J'ai un peu peur qu'il y ait du monde en fait à côté, mais on va voir. On va faire comme ça. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Ok.
on est bien. Toi, tu te caches. Je pense que tu aurais dû envoyer ton templier pour tanker l'archon avec parade, vu qu'avec ça, il veut pas beaucoup bouger. Exact. Qu'est-ce que c'est classe, ça. L'ennemi en veut à ma vie. Bon, je reconnais que c'était pas une bonne idée d'y aller tout seul. Et il y avait qu'est-ce que c'est stylé. Que vous acceptiez de vous retarder pour aller chercher mes disques. Pratiquement aucune. Mais faut penser au long terme. Je veux préserver notre avenir. Et on peut pas se permettre de perdre la musique de notre passé. Pas vrai. Ah mon dieu, ce mec, quoi. Une puissante frappe concentrée. Ouh, on est déjà niveau 3. Okay, très bien. Bon, il y a lui à finir. Bon, le problème, c'est qu'on a la... On a la saloperie d'armure aussi. C'est ça qui fait chier. C'est pour ça que je voudrais bien des grenadiers, parce que bon. Non, c'est pas grave. Critique à combien? Oh putain, combien t'as d'âge? Oh putain, 3! 3, mais il y a 4 armures! On va faire pareil, je crois. On va faire inspiration sur le Templier. Il n'est pas extrêmement pété, le Templier qu'on a. C'est juste que... On va dire qu'on essaye de bien l'utiliser. J'aurais dû tirer avec Bradford en premier, en fait. Alors. Interférence. 91%, je crois que c'est le plus élevé depuis ce soir. Je pense que c'est le plus élevé. The enemy should fear us. J'aime bien les yeux comme elle comme ça comment ça brille et tout, c'est classe. Une frappe juste. Leur foi les a abandonnés. Le signal avait déjà été coupé dans ce secteur, mais les chrysalises continuent à sortir d'un peu partout. Il met de l'acide partout. Je fichais royalement des disques de l'animateur radio, mais ça ne l'a pas empêché d'ignorer le fait qu'on était occupé à le protéger pendant qu'il soignait son prétendu tour de rein. Bon, on n'est pas extrêmement loin. Par contre, j'ai un peu peur de ce côté-là, moi. Quand je recharge une game, ça m'arrive jamais de recharger les games. Si je dois perdre, je perds. Non, mais...
Qui a tué le Kodos? Première fois que je te vois, non? Un des meilleurs templiers que j'ai eu, je crois que mon templier, il avait mur. Il avait forteresse. Ça lui permettait d'être complètement invincible à toutes les altérations d'état. Et il avait aussi Escrimeur. C'était abusé ce truc. C'était super kiffant par contre. Quoi, tu veux pas? Attends, il y a ton arme qui marche, t'as la vue commune et tout ça, et t'as deux... Ah non, j'ai fait le scan, désolé, pardon. Merde, j'ai oublié. Non, c'est pour Orion, ça ira. Ouais, Screamer, je sais que c'est l'habilité des Rangers. Bradford, il l'a, mais... dans le jeu, des fois, ils peuvent avoir des habilités un peu aléatoires par rapport à n'importe quelle classe. Et c'est ça qui était vraiment bien. Et vu que les Templiers, ce sont à moitié des psys, ils peuvent avoir aussi certaines habilités de psy. Pas toutes, mais certaines. Et Fortress en fait partie et c'est vraiment cool. I'm on it. Je surveille. I'm on it. Ouais, vous savez, j'aurais bien aimé vous aider, hein, mais le recul de ces armes, c'est trop pour mon petit dos, vous voyez? Bon, après, si on trouve une poche de glace ou autre chose, je pourrais peut-être reprendre le combat. Ça coûte rien d'ouvrir l'œil pour essayer de trouver ça. Comment on va faire ça? Oh putain, vous vous déconnez, vous êtes tous trop loin en fait. Là, il y a sûrement des trucs. On a 9 tours, on a encore le temps. On n'a pas besoin de se presser. Heading out. Oh mon dieu, la portée des trucs, quoi. Attends. On a aussi la... Au moins deux pods, je dirais. Allez, on va voir. Je dirais au moins deux pods. On tasse les chrysalis. Une poche de glace, mec, c'est mon alter ego. Tant pis que j'avais avec Screamer, Reaper Fortress et Gâchette Rapide. Gâchette Rapide aussi, c'est pas mal. Pour le Templier. Ça peut entamer un peu les gens. Et comme ça, on les finit au coup près. C'est vraiment... Ouais, franchement, il y a des personnages qui changent le jeu, en fait. Grâce au fait qu'ils peuvent avoir certaines habilités d'autres classes. Ça, vraiment, ça change le jeu. Ça peut rendre le jeu extrêmement dur, normal. Des fois, ils ont de la merde. Mais ça peut rendre le jeu aussi extrêmement facile. Ça je cavale. Reloaded. À vos ordres. OK.
Whatever you say. Je surveille cette zone. Genre avec Fortress, ça permet d'envoyer les Templiers au corps à corps avec des sectopodes et tout ça. Quand ils explosent, ils craignent rien. C'est vraiment abusé, quoi. Comme je vous l'ai dit, l'animateur radio était une cible facile dans les combats. Il refusait de prendre une arme et encore moins de... On ne pouvait qu'espérer qu'il resterait planqué et qu'il la bouclerait jusqu'au point d'évacuation. Target disabled. Ok. C'est l'heure. On va combattre. Oh, il y en a un peu plus que prévu. Ils sont où les missiles nucléaires là qu'on avait dans la première partie, dans le premier chapitre? C'est là ça manque. Là, ça me manque un tout petit peu. C'est bien beau d'avoir des... Des Templiers, machin, des trucs et tout, là. Mais franchement... J'aurais préféré des grenadiers. Mais bon, pas grave. Le problème, c'est qu'il y a des civils. Ça va créer des saloperies, hein, sûrement. Bradford, t'as une grenade? Non, t'as pas de grenade. Je pense qu'on va faire ça... Ouais, les munitions, peut-être que ça aurait un peu facilité la vie. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait. Il y en avait que 3, je crois. Mais bon, après, même les nouveaux persos, ils prennent des munitions. On va voir. Ah, c'est débrouillissant. De toute façon, on n'a pas le choix. Honnêtement, ne pas me mettre de grenadier, c'est la chose la plus dure qu'on me donne en fait à faire. Juste le fait de pas me mettre de grenadier. Si je bloque le passage là, ils peuvent pas venir, on est d'accord. Ils sont obligés de faire le tour. Parce qu'ils peuvent pas passer au-dessus de la voiture. Et ils peuvent pas enjamber ça parce qu'on est là. Et ils peuvent pas nous attaquer du coup. On est d'accord ? Je crois, ouais, je pense aussi, ouais. Je me déplace. Dave Brain, le jeu. Mais il y a des façons de bloquer pas mal de monstres qui peuvent faire que du corps à corps. Les ombres, c'est pareil. Les ombres, si on bloque les échelles, tout ça, elles peuvent pas monter. Je comprends pas comment ça marche, Volt, honnêtement. Pourquoi ça toucherait celui-là qui est super loin? C'est bizarre. Vous n'échapperez pas à ma marque.
Ça, en gros, ça ferait ça et ça. Ça reviendrait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ok, 5. Oh la vache! Ton arme elle est chargée encore? Ok, cool. Oh putain, j'aurais jamais dû tirer avec avec le volt en fait. Ça je savais par exemple, t'explique indirectement. Ouais. De... Après tu fais ta propre... Ta propre stratégie par rapport à ça. No problem, boss. Moving to Overwatch. Not too shabby. C'est pas mal. J'aurais pu y aller un peu plus doucement et que j'aurais dû faire des essais avant. Mais parfois, faut juste se jeter à l'eau. Croyez pas ? Ok, maintenant ça va être la merde. On est habitué. Ça fait chier que ça soit 9-10. Ah, c'est parce qu'il te manque du... Il te manque un point, c'est pour ça que tu peux plus les one-shot. Ok, ça marche. On va remédier à ça. Right on the margins. Subissez le pouvoir des Templiers. Est-ce qu'on a un cocon ? Yes, on a un cocon. Ça marche. Qui a une balise ? Tout le monde a une balise. On n'a pas utilisé de balise. Est-ce que les chrysalis peuvent sauter deux étages? Par contre, ça, je sais pas. Je crois, je pense. Oui, tu peux faire ça avec les ombres. Hein. Ordre bien reçu. Affirmative, moving out.
Et là, il va pas critique. Ouais, non, non, il va tuer normalement. Par contre... Ah merde, par contre, il peut pas... On peut pas tirer deux fois. J'ai plus de munitions. On va retanker. Ce monde nous appartient. Le cocon est désorienté. Oh, ok. J'ai peur que ça soit des métamorphes. I can handle that. Alors comment on va jouer ça? Alors le problème c'est pas les 4 là, parce qu'on peut se reculer, on peut être hors portée. Mais c'est lui, parce qu'il y en a un qui va apparaître. Et la chose c'est, est-ce qu'il peut aller sur Bradford ou est-ce qu'il va aller sur le Templier? C'est ça le truc. Donc je pense qu'on va utiliser une balise. Juste pour être sûr. Elle peut tanker un coup, elle peut pas en tanker 4, 5 même. Donc on la recule. Un peu technique là. Là, il y a plus. C'est pas vraiment stratégie par rapport à comment on joue, c'est stratégie par rapport à comment les monstres vont réagir en fait. Voilà, E3, ça va. Ils vont même pas taper la balise, donc il n'y a pas de problème. Ah non, on tape pas un truc. Oh, putain, chier. C'est pas grave, c'est l'autre là. Oh, bah voilà. Ah bah voilà. On n'avait pas prévu ça. Au moins, notre roi des ondes regrettait un peu ses erreurs, et puis il cherchait à énerver Advent. Alors comment lui en vouloir? Mais je n'étais pas prêt à lui lâcher la bride pour autant. On était encore plongé dans cette pagaille jusqu'au cou. Ok, là on a beaucoup de gens. Non! Ah merde! Comment
comme j'ai dit, un putain de grenadier, qu'est-ce que ça changerait les choses? Moving to position. Get some. We have multiple targets down. C'est quoi toi? T'as du plasmique? Non, t'as de l'acide. T'es saphir. On survit. Ah, on est un peu trop avancé, c'est un peu la merde. Toi, t'as 3 actions, donc tu peux aller assez loin. De 10 à 11. Si tu fais 10, c'est pas bon. Je vais vous anéantir. T'as fait 11, ça va. Peut-être y arriver là. Je prépare mon arme. Nous devons détruire son armure. La cible n'est plus. Ok, ok, ça. On avance. Alors attends, est-ce qu'on a besoin de la balise? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a besoin de la balise? Je sais qu'il y en a une là. Est-ce qu'elle va pouvoir nous toucher ou pas? Je dirais non.
94% et la voiture brûle bien, 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 bien. Hier c'était quoi? C'était 97. Aujourd'hui c'est 80. Bah pareil. Combien? 94 j'ai dit? Je sais plus, ça m'énerve. 93. On va tirer. Oh là 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 là! On aurait pu détruire le truc. Enfin presque. Ok, là tu risques rien. Très bien. J'essuie des tirs nourris. Heureusement que vous étiez pas là pour on est bon. Expériences. Une prise verte par-ci, une rouge par-là, et puis des bricoles extraterrestres. On peut dire que j'ai souvent eu chaud. J'ai peu de chance d'avoir des gamins après ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, niveau bricolage, j'en connais un rayon. Hein. Tu veux pas fermer ta gueule? Ou alors on baisse les HP des deux. Je crois qu'il y a un cocon là. Non? Il n'y a pas un cocon quelque part? Va falloir qu'on parte, hein, on est à 5 tours. Faut juste qu'on avance et qu'on détruise ces merdes. Spirituel. Là, y a aucun moyen de te toucher seulement les trucs. Quelqu'un a peut-être une idée de mieux. Là, on peut faire 4 à 7, on va baisser les dégâts, mais du coup, ça va pas en tuer un. Par exemple, ça, si quelqu'un sait si la frappe paralysante, donc une verbe psionique frappe un ennemi et le repousse, est-ce que ça va les faire tomber ou pas? Je voudrais bien savoir si ça les fait tomber ou pas. Bon, c'est pas comme si j'allais l'utiliser là, mais juste pour savoir. Bradford, lui, on va faire ça. Bien, bien, bien. On va faire Volt. Vous allez enfin vraiment. 6, 6, 6. Très bien. Ah, cool, on récupère une boule. C'est parfait. Yes, comme ça le sniper peut avancer. On est bon. Le sniper peut avancer maintenant. Parce que sinon, fallait que je tire avec le sniper et ça fout la merde. Le sniper perd des tours et il est loin. Oh, j'ai oublié la voiture. Oh. Non, on est assez loin, ça va. La voiture, faut penser à la voiture. I'm on the move. Qu'elle va brûler à un moment, elle va exploser à un moment, je crois. Je recharge.
Overwatch. On n'avait pas beaucoup de temps pour sortir de là. Et on ne pouvait pas repousser autant de chrysalis éternellement. Bon, si on n'avançait pas, on risquait d'être complètement submergé sous leur nombre. Ready to engage. Ça avance doucement. Faut que tout le monde soit à portée. Mais je crois qu'on est bon, je crois qu'il n'y a plus personne. Moving to designated position. Running. Seems doable. C'est bon, on est tous là. Ok. J'ouvre l'œil. Come get some. On a dû agir très vite. On ne savait pas combien de chrysalis pouvaient encore surgir de l'océan. Vaut mieux s'en occuper maintenant que plus tard, vous croyez pas? Il y a peut-être des milliers de ces monstres dans l'océan, voire des dizaines de milliers. Si je les avais pas attirés, vous auriez même pas su qu'ils étaient là. Dans un sens, on peut dire que je vous ai aidé, les gars. T'as ce mec, quoi. Je peux y arriver. On y va! On the move. Stepping off. Je fais du chemin. Already there. Les civils sont seulement là pour faire des sacs de chrysalis en fait. Je me replie, comme demandé. On a une fois de plus mis l'animateur radio hors de danger. Bien malgré lui. On a pris quelques mauvais coups, parce que rien n'arrête les chrysalis à part la mort. Heureusement, on a pu s'enfuir avec l'animateur radio, et partir affronter d'autres problèmes. C'est bien passé. Bon, on va pas regarder ça. On a récupéré ce qu'on pouvait sur place. On commençait à disposer d'un équipement tout à fait correct, mais il fallait bien choisir notre matériel. Là par contre, je pense qu'on va prendre le katana parce que on a des chrysalis. Ça je sais pas. Parce qu'à la limite, si on prend le fusil à pompe augmenté, enfin le harachi, et qu'on tire plusieurs fois au fusil, ça peut one-shot tout le monde en fait. Non, on va prendre le katana. Armure motorisée. On verra. Putain, on est loin des 300 000 encore. Arashi, trop tard. Si je récapitule, on savait que l'animateur radio avait découvert une technologie extraterrestre, puis l'avait bricolé pour créer, sans le vouloir, des leurres à chrysalis tout le long de la côte, attirant des hordes de monstres qui surgissaient de l'océan. C'est là que j'ai failli craquer, en découvrant le bateau d'animateur radio amarré dans une autre ville plus loin sur la côte. Son ordinateur était à bord, programmé pour diffuser sa dernière émission pirate enregistrée. On n'avait pas le choix. On s'est mis en route vers notre prochaine cible. On a eu à peine le temps d'atteindre le bateau avant que le début de l'émission enregistrée n'attire encore plus de chrysalis sur le rivage. On ne pouvait pas approcher des quais, alors on a dû passer par les rues de la ville pendant que l'animateur nous guidait par radio. Ça va être fun!